c'est important parce qu'il n'y a pas l'économie du Sud et l'économie du Nord. Effectivement, à chaque fois, c'est des créateurs, c'est des projets particuliers, c'est des gens qui investissent. Il y a un odeur des chaînes d'entreprise sur notre territoire. Voilà, la roche de rap. Voilà, moi je l'ai pris parce que j'ai 18 ans. Acoustique. Et donc c'est un projet. Sur les quatre, il y en a certains qui n'en vivent pas. Allez, non, Eric, Jean, venez derrière. Allez, Laurent, allez, venez derrière. C'est un marché d'extrême niche, on est très peu en France, on n'est pas beaucoup en Europe non plus. Par contre, il y a une vraie demande. Dans la mesure où on fait des bons produits, où on est capable de répondre vraiment à la demande des clients, d'aller les chercher parce qu'il faut se faire connaître. Il y a une demande finalement, quand on joue de la musique, on aime bien avoir un instrument à soi, personnalisé aussi. Et l'idée c'est de répondre à cette demande-là. Quoi. L'obtention du prêt ça a été un déclencheur sur toute l'obtention des autres financements, c'est-à-dire que mon apport perso ne suffisait pas à convaincre. L'obtention du prêt ça m'a permis vraiment de voir un projet d'envergure suffisante pour le faire devenir viable. Et surtout ça a permis de déclencher l'obtention d'un prêt à la création d'entreprise auprès de la banque. Pour l'autre partie du financement. Donc oui, c'était indispensable.